d'Ivoire Chanel. Qui n'a jamais eu boumé? Moi, de mon côté, je trouve que la femme, elle souffre plus. Parce que chez nous, les garçons, nous n'avons un cœur pour supporter. Quel que soit, supporter la douleur. Voilà, la souffrance qu'un garçon peut supporter au sein de son cœur n'est pas le même cas que pour la femme. La femme, elle est très sensible. Et certaines femmes même, là, elles vont jusqu'à se suicider parce qu'elles sont faibles d'esprit. Donc chez moi, un garçon peut mieux supporter par rapport à une femme. Ça veut te tuer. Tu as fini ça. C'est le garçon. Parce que si tu es un garçon et puis il n'y a pas de femme à côté de toi, ce n'est pas bon. Parce que souvent nous sommes les planteurs, on va au champ et on travaille. À notre retour, nous sommes fatigués. Quand il n'y a pas de femme à côté, on ne peut pas faire quelque chose de bon. Celle que j'appelle Djarabi, Mario. Capitaine Bach, Mario. Si les deux sont ensemble, que c'est l'homme qui a demandé la séparation, ça fait mal à la dame. Maintenant, si c'est la dame aussi qui a demandé séparation, c'est l'homme qui a mal. Est-ce que vous êtes une fois passé par le Goumengoumen? Moi, le Goumengoumen, oui. J'ai fait une fois passé par là. Alors, comment ça s'est passé pour vous? Très mal. Parce que ça fait très mal. Vous pouvez nous expliquer? Non, il n'y a pas trop mal. Et puis tu dois, c'est dans ça le monde. Ok, selon vous, Aïcha, entre l'homme et la femme, qui souffre le plus de Goumé? Le sensé, c'est le garçon qui souffre. C'est le garçon qui souffre selon vous, mais pourquoi? Ben, normalement, tu sais, non, dans la vie, là, un homme et puis une dame, même s'ils sont séparés comment, s'il y a un enfant entre vous, normalement, elle doit se retourner pour aller demander les excuses. Tout ce qu'elle a fait à le moro, doit aller expliquer les excuses, lui demander tout ce qu'elle a fait, n'a qu'à laisser tomber puis reprendre la vie encore. C'est important. Alors vous, est-ce que dans votre vie, vous avez souffert de Goumengoumen? Une fois. Non, jamais de ma vie. Ça m'a jamais arrivé. De part et d'autre, il y a la souffrance. Celui qui investit plus dans la relation, je crois que c'est lui qui ressent plus la souffrance. Pour ça. Est-ce que vous avez fait la meilleure expérience d'une séparation? Bien sûr, tout un chacun est passé par là. Toute une personne a dans sa vie vécu, je crois, cette situation. C'est comme ça. Je crois que c'est ainsi va la vie. Alors, comment vous avez surmonté votre situation à vous? Par la prière et puis surtout beaucoup de pardon et d'amour, de compréhension aussi. Voilà. Dans un couple, quand il y a l'entente, c'est bon. Mais quand il n'y a pas d'entente, c'est la femme qui souffre. La femme qui souffre comment? Parce que souvent, il y a des hommes, quand ils ont des trucs à faire, ils n'informent pas leur femme. Or, c'est très important d'informer la femme avant de prendre des décisions. Maintenant, quand la femme apprend par d'autres personnes, quand c'est comme ça, il y a confiance entre deux. Il n'y a pas d'entente. Et quand c'est la femme qui souffre, parce qu'il y a des enfants, si demain, tu n'as pas fait quelque chose, c'est les enfants qui souffrent. Mais pourquoi aller tomber son mari? Pourquoi? C'est les choses de la vie. Quand ça ne va pas là, la famille est là pour régler. Ou bien, la famille est là pour régler. Si ça ne va pas, il ne va pas aller tomber mon homme. Parce qu'il y a le tromper à celui qui allait prendre la mère. Qu'est-ce que il ne va plus pire que celui que j'ai laissé? Donc. Alors est-ce que il vous est arrivé une fois de souffrir de Goumengoumen? Je pense que dans un couple, quand il y a séparation, c'est la personne qui aime le plus, hein, c'est cette personne-là qui souffre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors est-ce qu'il vous est arrivé, vous, de connaître cette situation-là? Absolument, absolument. Je suis même victime de ça. Hein, j'ai fait 11 ans avec une demoiselle qui était ma femme, en quelque sorte. Et puis, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème parce qu'on cherchait un enfant et cet enfant ne venait pas. Hein? On a essayé de chercher les voies et moyens pour en avoir et il s'est trouvé que c'était moi le problème.
Le docteur m'a fait connaître que je souffrais d'une oligospermie sévère. Alors, elle s'est dit que pour avoir un enfant, ça va lui prendre assez de temps. Elle s'est séparée de moi. J'ai souffert. Aujourd'hui, je pense que Dieu m'a fait grâce. Dieu voulant, j'ai rencontré quelqu'un sur la route et on a eu un enfant. Oui. Comment vous avez remonté, sinon surmonté cette situation? Bon, on ne peut pas surmonter les épreuves comme ça. Mais je pense que c'est par la prière avec les amis qui vous donnent des conseils, qui vous remontent le moral en fait. Mais en étant seul dans son coin, tu ne peux pas remonter une histoire amoureuse comme ça du jour au lendemain. Mais ça s'est fait progressivement. Et puis aussi, il faut dire que, comment on appelle, quand on lâche une broche, on peut en attraper une autre. Hein, donc il faut faire table rase sur son passé pour pouvoir avancer. Et c'est comme ça que je me suis pris. Et puis aujourd'hui, je suis un homme comblé. Hey, Maggie.